Le ministre de l'EPESTE Tony Mouaba a présenté et remis officiellement le code de bonne conduite du personnel enseignant aux responsables du sous-secteur de l'EPESTE ainsi qu'aux partenaires éducatifs le mardi 6 juillet. La cérémonie de ce jour revêt un caractère particulier et je dirais même une importance capitale pour l'avenir de nos enfants dans la mesure où le gouvernement de la République, à travers mon ministère, vient de mettre en place une norme devant réguler le comportement du personnel enseignant. Cet acteur majeur dans le sous-système éducatif, puisqu'il est un modèle de tout enfant qui fréquente l'école. Et c'est par lui que passe la transformation de l'état mental de l'enfant pour devenir une tête bien faite et une personnalité meublée des compétences nécessaires pour la société. Cet outil va servir à la réglementation de la conduite enseignante afin de prévenir et punir tout type de violence et de maltraitance en milieu scolaire. Une innovation louable et saluée par les partenaires éducatifs présents à la dite cérémonie. Signalons que ce code s'inscrit dans le cadre de la qualité, l'équité et la gouvernance choisis comme axe stratégique du système éducatif prôné par le gouvernement de la République démocratique du Congo.